Salut les putes! Oui, je sais, je suis pleine d'entrain, je suis joie, je suis bonheur. Alors je sais, tu me regardes là derrière ton petit écran et tu te dis, cette connasse va encore nous parler de bite. Car oui, sans la bite, eh ben, il n'y a pas de plaisir. Eh bien non, Martine, pas aujourd'hui. Alors aujourd'hui, mon cœur palpite au rythme de cette femme qui va m'accompagner aujourd'hui pour parler mode, parler fringues et fripes. Cette femme que tu es susceptible de peut-être ne pas connaître si la dernière fois que tu t'es connecté sur les internets, c'était lors de la séparation des All Saints. Alors vous ne la voyez pas à l'écran car son humour est en quelque sorte ce que l'Everest est au monde, vertigineux. Elle est un petit peu comme, on peut le dire, hein, soyons cocasses, un petit peu comme la levrette au Kama Sutra, indispensable. Il y en a qui niquent la police, moi je nique la surprise. Natou ? Oui, pardon, en fait, j'étais en train de jardiner derrière, c'est moi qui ai mis toutes ces plantes. Viens donc là. Et voilà. Ah. Bonjour. Oh non, qu'est-ce qui nous arrive ? Voilà, je suis venue avec mes petits animaux. Bonjour Natou. Cela me fait tellement drôle de te voir. Écoute Natou, je vais pas y aller par quatre chemins. Je t'aime, je... tu es un... C'est vrai ? Tu es bonheur, tu es joie, tu es amour. Merci. C'est un peu l'ASMR de ma vie, je rêve que tu me susurres à l'oreille. Appréciez ce moment. Tu les connais, ceux-là? Oui, oui. Finger flutters. C'est pas tout de faire les stupides grossesses. Aujourd'hui, on va parler mode parce que toute ta communauté et moi-même, on le sait tous, tu as un style un petit peu particulier, tu sors un petit peu du commun. J'ai fait du shopping pour toi. Bon, j'avais pas un budget monstre, mais je t'ai trouvé des trucs absolument incroyables. Avant de parler mode, on est tous d'accord pour dire voilà que je suis habillée comme une clocharde. Donc c'est un petit peu compliqué. Je vais me transformer grâce à la magie. Bonjour. Grâce à la magie du montage dans 3, 2, 1. Waouh, n'est-ce pas merveilleux? Ah mais moi j'ai pas changé en fait. Ah non, t'es toujours aussi dégueulasse. Mais écoute, voilà, transformation en mode pute. Hein. Trêve de plaisanterie. Derrière moi, et derrière toi aussi, il y a un maximum de fringues que je t'ai achetées. Ce sont des fringues que j'ai chopées sur l'appli United Wardrobe. Alors pour ma communauté et les gens qui me suivent depuis un petit temps, je vous en parle blindé parce que je vends tous mes fringues sur cette appli. Dernièrement d'ailleurs, si tu n'as pas été voir, je t'invite à le faire. Lien dans la barre d'infos. Ah, cette petite danse de la barre d'infos, ok. Procédons par ordre et méthode. Je t'ai d'abord pris des godasses. Je crois que tu vas kiffer. Je reviens. Il y a beaucoup de godasses, en fait. Bon, écoute, je peux plus attendre. Ça fait une semaine que je les ai reçues. Voilà, je trépide d'impatience. Ces godasses, je les cherche depuis des... Il y a l'adresse. Malheureuse, mais cache-moi ça, tu es folle. Il y a ton numéro. Non, pas du tout. Sache que ces godasses, je les cherche depuis des mois, elles sont sold out partout. Et ne me dis pas que je les ai trouvées sur l'appli à ta taille. T'as un 39, on est d'accord? Ouais. Ok, putain, j'ai eu peur. C'est des Doc Martens. Mais attention, ce ne sont pas juste des Doc Martens. C'est des vrais, parce que moi, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas les moyens, je m'achetais des fausses chez Gémeaux. Ce sont des vrais, mais pas n'importe lesquels. Elles sont sorties dernièrement, elles sont introuvables, ni au magasin, ni sur le site Doc Martens. Et c'est une meuf, une Hollandaise, qui les vendait à prix réduit. A bitch, you're not ready for this shit. Meuf, elles sont compensées. Meuf, est-ce qu'on en parle? C'est les docs compensées, elles sont juste ouf, tu sais qu'elles sont introuvables. Essaye-les, juste au cas où, si elles sont trop petites, j'ai peut-être une chance de récupérer. Parce que tout ce que j'ai acheté, c'est pour toi. Neuves. Elles sont vraiment neuves. Elles sont neuves, elle les a jamais portées. Elles étaient 100 euros moins chères qu'en magasin. Mais est-ce que je les mets maintenant ou est-ce qu'il y a un outfit approprié? Ah, oui, teste juste pour voir si elles te vont, quoi. Oh putain, c'est ta taille? Non mais je vais forcer en mode cendrillon comme les mauvaises sœurs là. Ça va rentrer! Ah! C'est rentré! Je crois bien que c'est ma taille, n'est pas la rage! Putain, elles sont vraiment super canons. Mais bon, ce n'est pas tout, j'en ai d'autres. Bah ça, j'ai payé 140 au lieu de 260. Ah mais je vais pouvoir jardiner avec ça, mais je suis refaite. La meuf va jardiner avec des glaces à 260 balles. Est-ce qu'elles sont pas ouf? Mais c'est tellement Spice Girl. C'est pour toi ça, non? Mais je les ai vues, je me suis dit, ça, c'est Natou. D'ailleurs, je vais vous mettre dans la barre d'infos les liens vers les profils où j'ai trouvé tous ces trucs. Oh, j'avais même pas vu. Peut-être qu'elles appartenaient à Jerry Halliwell. Ou peut-être pas. Laisse-moi fantasmer, d'accord? Regarde, j'ai même reçu un petit mot, c'est en flamand. Royal, bedankt voor je aankoop. Veel plezier met jouw nieuwe schoenen. Groetjes. Je te traduis brièvement. Salut Gaël, merci pour ton achat. Je te souhaite beaucoup de plaisir avec ces superbes chaussures. Je t'embrasse. Tania. Il y a un bail de communauté, quoi. Et entre parenthèses, ma petite Martine, si tu te dis qu'il est juste impossible de se refaire une nouvelle garde-robe à petit prix, non. J'avoue, elles sont affreuses, ces chaussettes. Je viens. Ouais, mais meuf, c'est pas possible. Non, mais je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis dit, oh, elles sont fines, il fait chaud, c'est bien. Elles sont géniales. Putain.
Ouais, moi je les ai essayées en secret chez moi, elles sont trop grandes. Elles sont géniales. Ma vie, c'est de la merde. Elles sont géniales. Regardez, mon pied est confort et stylé. Et ça, j'ai payé 30 balles au lieu de 100 euros. C'est quoi? C'est une marque hollandaise. Ça s'appelle Pullman. Oh, c'est sexy, ça vend du rêve. Et alors, ce n'est pas tout. Je sais que t'aimes le rose, on est d'accord? J'aime beaucoup cette couleur. Ok, alors j'ai trouvé une meuf sur l'appli, elle est incroyable. En fait, la meuf, elle fait des baskets custom. 20 ou 30 balles de plus que le prix des neuves. Des pièces uniques. Mais elles sont, ouais, je t'ai trouvé des Air Force One. What? Peintes à la main, en espèce de rose chrome. C'est un peu genre iridescent, quoi. Oh. Et ça n'existe pas. Non, ils les ont pas en rose. Tu vois que ça a été peint. Elle a fait ça proprement, hein. Elle est incroyable. Et ah bah regarde, elle a mis son petit custombydo.com. Il me reste plus qu'à acheter des chaussettes convenables. Et je suis refaite. Ça va être peut-être un peu trop petit parce que les Nike, ça c'est fort petit. Oui, oui. Elles me vont parfaitement. Yes. Ce n'est pas la rage. Je suis niquée, hein, ce n'est pas grave. Regarde Kitty, maman a du style, enfin. Bon, ça aussi c'est pour toi, c'est cadeau. Ça me va vraiment. Attends, mais essaye celle-là. Dites en commentaire si vraiment ça me va. Non. Attends, ça avec un petit outfit en mode bombasse, parce que bon voilà, qui dit été dit festival, il faut impérativement des lunettes de chouin. Voilà, pour ouais, un festival. Le chouin. Je t'expliquerai ça après. Merci. A unicorn tag. Elle est incroyable, c'est un luggage tag. Comme ça, tu mets Natou, tu mets ton adresse et ton numéro de téléphone. Ou en boucle d'oreille. C'était une chouette vidéo. Ah, c'est pas fini. Non. Je t'ai trouvé encore un autre truc et c'était le dernier, donc j'ai pas pu m'en prendre pour moi. Quand on part. Quand on part en festival, il faut être en mode, on prend ses précautions. Assorti au basket. Histoire de mettre. Oh, ou même celle-ci. Ah oui, t'as raison. Bah oui. Un petit tampon, un petit préservatif, oui. Son petit portefeuille. Un ventilateur. Ah ouais, tu la mets comme ça, toi? J'ai vu que les jeunes faisaient ça. Ah ouais, mais non, tu peux faire ça. Je... Ouais, mais c'est trop cool. Oui, il faut régler. Et ça, c'est, non, c'est du bien, site maman. Made in Korea. Elle a des trucs incroyables. Je t'ai également trouvé ceci. Bon, ça, j'ai pris pour moi, je t'avoue. C'est très je me suis fait plaisir aussi. Mais tu as raison. Je suis. C'est un truc que tu pourrais kiffer quand même. Bah, c'est un peu un c'est vintage. Je trouve. Queen Bee. Queen Bee. Oh oui, en plus, on voit pas trop le ventre. Moi, je suis pas très à l'aise. Mais attends, tu sais quoi? Mets-le. Ouais, je vais le tester, vas-y. Je reste avec tes chiens ici. Je vais en cabine. Je vais essayer de faire ça vite. Prends ton temps, Nat. C'est un moment long et chiant. Je caresse ta chienne. Je vais en profiter pour arroser les plantes. Ah, grouille-toi, putain. Il y a que dans la vidéo de Martine que Natou se fout à poil. Hein. Ça me va pas? Non. Ça ne va pas. En soi, l'article est superbe. Mais pas sur toi. Ok, qui dit festival dit groupe de métal. Boum. Olé. Je vois pas le privé, je peux pas m'extasier. Oh. Ça, j'ai payé 10 balles. 10 balles, petit t-shirt Iron Maiden, toi-même tu sais. Peut-être que ça m'ira mieux. Vas-y, remets ton soutien-gorge, on te met ce petit t-shirt. D'accord, je repars en cabine. Vas-y. Je surveille pour pas qu'il y ait d'autres clientes qui arrivent. Mais qu'est-ce qu'il y avait pas avec ce haut alors? Tu m'as rien dit. Ça fait un peu Dame Béatrice la Poufias, il y a un petit souci au niveau des tétés. On voit les tétés? Non, justement, on voit rien, c'est tout plat, on dirait une pizza. Et apparemment, il y a des vêtements pour chiens. Il y a des vêtements pour chiens, pour chats, il y a du make-up. C'est la caverne d'Ali Baba, c'est vraiment un truc de ouf. Et surtout, voilà, les prix sont hyper intéressants parce que tu te retrouves avec des articles de seconde main ou même des gens qui vendent des articles neufs. Mais finalement, Martine, c'est écologique également. Eh bien, tu me le fais pas dire, ma petite Nathalie, en effet. Car quand tu achètes des vêtements de seconde main, tu fais un petit plus, un petit bonus pour la nature. C'est un petit peu comme une chaîne de l'amour de la fringue, en fait, hein, oui. La fripe. Ah, là, on est sur un bail. Il y a le truc qui est hyper in en ce moment. Tu fais, en fait, un petit nœud. Voilà, ça fait un peu crop top. Tout à fait. Mais voilà. Évidemment, ce look un peu grungy, ça y est, on part sur un look un peu rock, va très bien avec ce qu'il y a juste derrière toi. Je te propose de le prendre. La plante? Non, juste à côté. Oh là un là petit là. Sac à dos que j'ai payé 15 balles. Oh là là. Il était neuf aussi dans le sac et tout, ça vient de chez Claire, ça. Ah, c'est génial. Et tu pourras mettre ça plus ça. Superbe. J'ai 33 ans. Bon, on est sur du rock. Prends ceci.
Oh moi, je me lève plus. Flammes. Alors là, on est sur le profil Made in Korea. Elle a des trucs incroyables. Mais avec ça, je vais pouvoir aussi faire des départs de course. Ça se met en veste. Mais oui, mais tout à fait. Ça se met un peu baggy, voilà. Oh là là. Tu vois? Non, mais je te le dis, je vais faire des départs de course comme ça. Go! Tourne-toi un Attends, peu. Est-ce que tu ferais pas des petits relevés de, wow. de manches? Tu mettrais par-dessus quoi? Alors ça, tu mets sur un petit top noir, tout simple, avec un... Ah bah justement, meuf, est-ce qu'on en parle? C'est tout de bien. Nouveau, Made in Korea, truc de ouf. La femme serpent. Ou tu peux choisir ici, regarde en bas ce que j'ai. Allez, soyons fous. Soyons fous. Voilà. On a le classique. La jupe taille haute, cut front, you know what I mean, bitch, ok? On a ça. Ou alors, je me suis dit, bon, on a tout. Voilà, t'es peut-être frivole, mais pas trop. T'as envie de faire ta pute, mais pas trop. Pas trop. Je me suis dit, le petit jeans, taille haute, petit truc un peu destroyed, bien stretch. Voilà, tu vois, ça, c'est hyper, hyper cool. T'es festival, t'as pas tout le temps envie de montrer ton cul. Même s'il faudrait, on ne sait jamais, c'est oui, important. C'est vrai, c'est vrai. Ton choix voilà. se porte sur quoi? Est-ce que tu veux partir sur une jupe taille haute? Alors, un peu one again? Hier, je me suis fait une séance de dépilation au laser. J'ai besoin d'être un petit rôti mal cuit, tu vois, il y a des taches rouges partout. C'est ça en fait, t'as des points rouges dégueulasses. Attends, quoi. Je vais voir ce que ça donne. Cette vidéo est un désastre. Ça y est, t'es prête? Oui, c'est bon. Montre-nous ça. Waouh. Alors par contre, épilation laser. Ah mon dieu. Égale petit point rouge. Plus la marque du jean. On dirait un jambon Herta. C'est intéressant, c'est le petit passage poil. Le petit passage beauty. Bon, la jupe, je valide à moitié. Elle est un peu grande pour toi, en fait. Donc, mais du coup, du coup, quand ça ne va pas, tu peux le revendre. Pas faux, parce ça, que, ça en effet, voilà, ça tourne. C'est ce que je disais, hein, c'est un peu la chaîne de l'amour, de la fripe. Ce qui est génial avec cette application, c'est que c'est hyper easy. Tu chies, tu cliques, tu trouves, t'achètes. J'ai voilà. compris, tu chies. Tu peux chier en achetant. Et donc voilà, il y a l'application, tu peux bien évidemment acheter aussi sur ton ordi, enfin voilà, c'est... Ce pantalon de serpent me va à ravir. Eh ben tu rigoles, mais moi je te trouve super beau ce froc. C'est facile à porter au quotidien. Ça avec les docks et un petit top noir meuf, c'est dément. T'as un putain de cul en plus dedans. Vas-y, monte ton cul là, monte ton cul. Oh, j'ai les yeux qui brûlent. Je viens de péter, c'est pour ça. On enchaîne, attention. Je t'ai pris, comme je te disais, aussi un fut. Est-ce que tu veux l'essayer? Tu vois ça? Ça a pas l'air mal. Je te propose de mettre ça. C'est reparti pour un cul à l'air. Si t'en chies et que t'es mou du genou et nul à chier avec le shopping en ligne, ne t'inquiète pas, ma petite Martine. Dès que t'achètes un truc sur l'appli, en fait, tu reçois un mail immédiatement une fois ta demande envoyée pour te confirmer bonne réception de ton achat. Et putain, il est à ta taille de ouf. Ça, ça vient de chez Topshop. Oh, génial. Je l'ai payé 18 euros. Et tu sais que ça, c'est 60 euros en Topshop. De quoi? Les trous dans les genoux? Non, le pantalon, c'est le Jamie, le plus connu. Monte ton cul, là. Monte ton cul. C'est bon? Excellent. Alors, j'avais aussi ça. Un petit short. Ça, je l'ai vu, je me suis dit, ça, c'est Nato. Une nappe. Un petit short vintage. T'as pas besoin de le mettre. Arrête. Calme-toi. Je mets par-dessus le pantalon. Ça, pour aller chercher ton petit pain ou ton petit croissant le dimanche matin. Ils sont tous niqués. Oui. Ça ne m'étonne pas de toi, Gaël Garcia Diaz. Ah, il va être trop grand. C'est un parachute. là, non, ça se porte comme ça. Ça, sur avec un petit body et des petits talons de pute. Franchement, franchement, ça passe. Bon, je vais juste montrer hein, pour notre audience, nos téléspectateurs. Je t'ai pris aussi ce pull, car je sais que tu adores les chats. Tout à fait, la je meuf, la meuf qui ne la connaît pas du tout. Et comme j'étais sûre que tu adores les chats, je t'en ai pris un autre. Mais qu'est-ce qu'elle fait tout ça pour montrer Il est incroyable ou pas? Pour sortir tes poubelles? Surtout lui. Qu'est-ce que je fais là? Et c'est neuf, hein? Tout ça, c'est neuf. Ça, c'était 20 balles, je crois. Okay. Je crois qu'on a fait le tour, mais... Mais? Il y a une surprise. Non, oh, tu sais, Martine est bonne. Martine aime faire plaisir. Martine est bonheur et joie. Comme tu sais, j'ai une marque de vêtements. Créatrice de mode. Je fais des vêtements fairtrade, de bio, éco... Donc, je dis, je sors une toute nouvelle collection en avant-première, fin 2018. Ah oui, donc c'est dans longtemps. Non, c'est la collection de fin de l'année. Je t'ai montré ce magnifique petit t-shirt que je t'ai donc acheté sur l'appli. Yes. Ceux qui me suivent savent que je suis très fan voilà, de groupes de métal, néo-rock, toutes ces merdes. Et ça m'a énormément inspiré pour ma nouvelle collection. Et voici Natou, je vais retwerker pour annoncer.
Voici en avant-première le tout nouveau t-shirt Sainte-Martine. Ouais, il est incroyable. C'est en espèce de black washed incroyable. Regardez, salut. J'adore la bite. Voilà, je te propose de mettre ce t-shirt qui sera beaucoup plus doux, beaucoup plus confortable, beaucoup plus bio du coup, il n'y a pas de produits chimiques. Et ma petite Martine, pendant que Natou se change lamentablement derrière ce canapé, sache que tu peux tenter de remporter un des t-shirts, hein, donc le t-shirt Sainte-Martine sur l'application United Wardrobe. Pas trop de blabla, je te décris en barre d'infos comment gagner ce t-shirt. Je te souhaite d'ores et déjà beaucoup de chance. Si tu n'as pas envie d'attendre et que tu as énormément de pognon à dépenser, je t'invite à déjà l'acheter sur mon webshop. Yes. Ah oh, putain, il est lourd. Ah non, il est vraiment bien. Ah, il est trop. Ouais, tu vois, je l'ai fait un peu oversized, j'ai pas fait des tailles trop serrées. J'avais envie de faire un truc un peu badass, quoi. J'apprécie. Tu apprécies? Mais je pensais à toi. Ouais, tous ces vêtements sont d'ailleurs pour toi, et je le regrette. Partage, t'es généreuse. Je suis généreuse. Mais t'as la haine quand même, finalement. Un petit peu. Du coup, je termine mon look avec les chaussures. Et là, on est bon, hein. Encore 30 petites minutes et je serai prête. Putain, j'adore. Non, franchement, 10 sur 10. Yes. 10 sur fucking 10. Mais bon, ma petite Martine, je pense qu'on en a assez dit. Je pense qu'on est d'accord, tiens, mets ça. Je pense qu'on est d'accord pour dire que j'ai transformé Natou en petite chouin. Oui. Voilà, si ça t'a plu et que tu as envie de découvrir cette application, je t'invite à le faire en cliquant sur tous les liens qu'il y a dans la barre de description. Et moi aussi, je serai en vente sur l'application pour la modique somme de 31,50€. Donc n'hésite pas à faire un tour sur le site. On peut faire des offres aussi. Donc tu peux faire une offre pour acheter Natou. Je vais te mettre sur mon webshop. Comment tu m'envoies? Je rentre pas dans un colis. On va vendre une mèche de cheveux. De Natou sur mon vide dressing du coup United Wardrobe. Et ben voilà, merci ma petite chatte. Oui, merci d'avoir accepté de tourner avec moi cette petite vidéo rocambolesque. J'ai tout gagné, j'ai gagné des outfits, j'ai compris que j'avais des chaussettes de merde donc je vais pouvoir évoluer dans la vie. Donc finalement, c'était un très bon tournage pour moi. Écoute, si j'ai un conseil à te donner, par pitié, Natouille, t'invite fortement à brûler tout ce qui pourrait avoir la couleur nude dans ton armoire à lingerie. Les soutifs sans bretelles nudes, on jette. Les chaussettes en nylon, on jette. Voilà. La pilule, on rachète. Hein, on rachète, Nathalie. Je sais, on rachète. D'accord. Voilà. Au revoir, les putes. Merci. À bientôt. Bon festival. Oui, au revoir.